Ah, non, non, falar bien. Et moi, même. Vous avez écouté. Il a toujours où je suis ma fille. Il a boulanso. Il a non. Mais il n'a si cana. Mais il n'a si si cana. Et bien, il a dit Arama. Achadala, il a la la. Wadou la chati kalao. Achadana Mohammada Rasoulullah. Salala ou le salama. Alors, je vous réfère au mania. Amin, alors, quoi est-ce que tu as dit? Amin. Et moi, même. Merci, alors, son arabe à Wombe. Merci. Wallahi. Alors, son arabe, merci à la rapouille, hein? Vraiment, merci beaucoup. Au revoir, bientôt. Oh. Vous avez vu, hein? Elle dit de ne pas porter le rouge. Il faut partager la vidéo, là. Partagez la vidéo. Les gens qui aiment faire les montages, vous coupez les parties, là. Ce que la dame vient de dire, vous regroupez les bonnes parties pour les manifestants, s'il y a manifestation. Elle dit de ne pas porter le rouge, de ne rien casser. Voilà. Donc, quand on parle, vous dites que, ah, c'est ci, c'est ça. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a appelé là. Je pense qu'elle a, elle a entendu ce que j'ai dit, elle a appelé. Voilà. Mais comme quelquefois, vous ne voulez pas comprendre ce qu'on vous dit, vous avez entendu ce que la maman vient de dire, non? L'affaire de rouge, là, c'est pas bien. Je dis pas de tu portes le rouge comme ça, mais le rouge dans les manifestations. Les dames qui mettent les rouges, là, quoi, parce qu'ils sont fâchés, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Pas du tout, du tout, du tout. Ça rappelle l'animisme. Allô? Oui, allô? Vous avez tout éteint, hein? Oui. Ah, c'est mieux. Comment ça va? Oui, ça va très bien, vous. Ça va, Dieu, merci. Ok. En fait, ça me faisait regarder votre direct. Du coup, vraiment, ça me rend satisfait là. Merci beaucoup. Dieu, merci. Oui. J'aimerais intervenir sur votre débat d'aujourd'hui. En fait, au niveau du pouvoir, surtout nous les Guinéens, en fait, en général. Je vais rappeler tout le monde, tout et chacun. Qu'ils soient partout dans le monde, la Guinée c'est pour nous tous, surtout nous les jeunes acteurs. On doit savoir une chose, la Guinée appartient à nous. On ne fait pas, IFDG ne font pas un combat pour une seule personne ou bien pour une seule ethnie. IFDG c'est pour un parti pour tout le monde, pour tous les Guinéens, sans distinction des sexes, des races et des ethnies. Du coup, il y a certains des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce parti. Peut-être qu'ils sont mal intentionnés ou bien ils sont corrompus par de l'argent. Je veux que cela vraiment s'arrête au niveau de notre pays, surtout nous, la jeunesse. Si vous voyez aujourd'hui combien de fois vraiment nous sommes notre État, nous sommes en retard, on dirait même que nous ne sommes pas un État qui a eu son indépendance depuis 58. Et aujourd'hui, nous sommes toujours rétrogradés en arrière, on n'avance pas, on se retourne en arrière.
à chaque pouvoir qui vient, vraiment, on dirait même celui qui est passé est mieux celui qui est présent. Oui, ça va pas du tout, quoi. Oui, ça va pas, on s'est là à se rétrograder en fait. Donc, ce que je vais vous dire au niveau du pouvoir actuel, c'est que je regarde vraiment. Actuellement, le pouvoir en place, ils n'ont pas le respect de la population guinéenne. Pas de respect, ils ne respectent pas les jeunes, ni les vieux, ni les vieilles. Pas de respect du tout. Tout à fait. Et maintenant, c'est nous les jeunes actuellement, que ce soit garçon ou femme, on doit se lever pour battre, pour lutter cette démocratie actuellement. On doit lutter pour que ça se cesse. Pour que nous aussi, un jour, on se rende compte, on se dit vraiment, nous sommes des Guinéens, partout où on passe dans le monde, on peut livrer, nous sommes des Guinéens qu'on a créés. Et actuellement, il faut voir, par exemple, en France, qui peut dire t'es Guinéen, on te demande vraiment t'es Guinéen de où? Quand tu dis t'es Guinéen Conakry, on dit non, on ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Il y a certains même qui reconnaissent Guinée-Bissau, qui est la Guinée-Conakry. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement ça fait mal. Combien de fois ça me fait mal? Moi, quand je rencontre des personnes, ça me touche au fond. Oui. Et le pouvoir qui est actuellement ici, ils sont là à être. Faire des ethnocentrismes entre la population, entre les ethnies, et puis pour dire vraiment diviser pour gagner. C'est pas comme ça. C'est pas normal. Mais la conscience arrive à qui? À nous les jeunes. Si nous n'arrivons pas à attirer nos consciences, ça va pas marcher. Effectivement. Afin qu'on est devenu vieux. En tout cas. Il est devenu vieux, il va partir. Mais si nous, la nouvelle génération aussi, on met ça dans notre tête avant de partir. Toujours, c'est le même, c'est-à-dire, c'est le même bouton qu'il faut revenir, la même réflexion. Et autour de lui aussi, il n'y a que des voleurs et des détourneurs. Il n'y a que des voleurs derrière lui. Et puis, chacun cherche à remplir sa poste. Et ça se passe à l'intérieur de la population. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire vraiment, nous, la jeunesse, levez-nous, laissons l'ethnocentrisme, laissons l'hypocrisie, aidez-nous la main pour que la Guinée avance, que nous soyons même mère, même père, et la Guinée appartient à nous tous. Personne ne peut chasser quelqu'un en Guinée. Que tu sois malinqué, sous pile, forestier, Ndalou, Manon, pas question, tu peux chasser personne. Effectivement. Mais il y a quelque chose qui arrivera un jour. Ceux qui sont là pour dire vraiment, c'est sur la sécurité pour la population, les citoyens, et aussi un jour, ils vont rester, regretter un jour. Au moment, ça veut dire, ils vont regretter au moment où ça ne vaut pas le coup. Parce qu'ils ont des fils, ils ont des pères, ils ont des mères, ils ont tout sur la Guinée. Pourquoi tu te permets de prendre une fille, faire face à une jeune de 20 ans, 25 ans, même un vieux de 70 ans, pourquoi pas? Laisse la population. Si tu entends un pouvoir, c'est la population. Sans la population, le pouvoir est ni non à venir. Tout à fait. Donc vraiment, ma soeur, je ne vais pas trop prendre votre temps. C'est juste pour vous dire vraiment, comme chaque fois vous faites des vidéos en direct, rappeler les jeunes. Le parti FDJ n'est pas là pour l'ethnocentrisme, il est là pour régler les problèmes de tout un chacun. Que chacun reçoit ses droits et ses devoirs. L'impunité doit cesser dans notre pays. Les violences, regardez comment on viole nos femmes, nos mères, nos jeunes soeurs, nos petites soeurs. C'est honteux. Quand même des fois tu te couches, tu réfléchis, tu vas dire vraiment pourquoi je suis guinéen, tellement ça fait mal. Oui. Là, j'ai pris le bon Dieu que cela cesse dans notre pays, que vraiment la vérité tombera un jour, que ça reçoit ses droits et ses devoirs dans ce pays. Amen, amen. Ok, merci vraiment. Merci bonne soirée beaucoup. À vous. Bonne Je vous remercie soirée. Très sincèrement de m'avoir répondu. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. C'est lui qui m'a appelé là, qu'est-ce que je fais? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, comment ça va? Ça va. Je voulais intervenir un peu sur la situation sociopolitique de notre pays en Kivakine.
On vous écoute, monsieur. Bon, nous sommes dans, comment on appelle ça, nous sommes en Europe ici. Mais bon, on ne connaît pas, nous, en général, on ne connaît pas vraiment les réalités même du terrain en Guinée. Ouais, y a plein qui appellent, moi je viens de suivre votre, un intervenant tout à l'heure là qui dit que la Guinée est en train de retrograder. Bon, c'est un peu dommage pour moi, pour la Guinée, que les gens essayent de politiser un peu la situation, quoi. La Guinée essaie d'avancer un peu, nous, de notre manière de voir ici à l'Occident, quoi. Voilà, nous, en tout cas, nous, on voit un peu le changement au niveau de ceux qui sont là-bas, qui nous font les rapports ici. On voit que le monsieur, il travaille un peu. Vous êtes Guinéen, vous êtes Guinéen ou Ivoirien? Vous avez un accent fort ivoirien. Moi, je suis Guinéen, je vais vous dire le nom de mon village, je viens de Bissamou, dans la région de Kriwan. Donc, vous avez grandi en Côte d'Ivoire, non? Écoutez, non, ce n'est pas question de ça. Je suis Guinéen, 100%, de père et de mère. Mon père, il est forgeron, je viens de Bissamou, le village natal de Samoury Touré. Je suis Guinéen, 100%. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Ah, ben c'est ça alors. Non, mais c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème, voilà, pas du tout. Mais l'accent. L'accent n'est pas un problème, madame. Mais c'est une question, monsieur. Vous auriez pu avoir l'accent gabonais, j'aurais posé la même question. Si je m'exprimais peut-être en malinqué, si on peut aller sur cette base-là aussi, je peux m'exprimer. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous pouvez être Guinéen et grandir en Côte d'Ivoire ou en France. C'est possible. Ou au Sénégal. Ou au Japon ou en Chine ou en Allemagne, j'aurais posé la même question. Vous avez raison, madame. Hey. En tout cas, moi, ça me cœur un peu quand on me dit que ouais, la Guinée est en train de retrograder. La Guinée est en train de faire beaucoup de fortes noires par rapport à ce que moi je vois, hein, madame. C'est votre point de vue, c'est respectable. Voilà, mon point de vue, ils n'ont qu'à essayer d'essayer de comprendre un peu aussi, ils n'ont qu'à essayer d'apaiser la situation. C'est pas la peine de on va se tuer par rapport aux politiciens. Actuellement, les enfants de l'autre, ils sont tous ici. Les parents de l'autre aussi, ils n'ont rien à foutre. C'est-à-dire, si nous, on ne s'entend pas en tant que Guinéens ensemble, on ne se donne pas la main, c'est nous, on prend le pot caché. Ça, c'est clair. Les enfants, voilà, les enfants, les cousins, tout ça, ils n'ont rien à foutre de ce qu'on subit en Guinée là-bas. Et ce n'est pas eux qui sont dans la merde. Ça, c'est clair. Voilà, donc, moi, c'est une manière d'interpeller toutes les ethnies qui sont en Guinée. On n'a qu'à essayer de mettre pas la terre. C'est la meilleure des choses pour moi, pour la Guinée. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Comme il y a plein d'intervenants qui doivent arriver, donc je vais vous laisser, madame. D'accord. On n'a qu'à se donner la main. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir appelé. Bonne soirée. Voilà. Ok, merci à vous. Inch'Allah. Au revoir. Essayez de continuer sur cette base-là pour donner, sensibiliser les gens, au fait. Voilà. Ok, merci bien, madame. Merci. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Vous avez appelé plusieurs fois, mais j'étais déjà en ligne. Ah, ok, excusez-moi, c'est Madame Sissoko. Oh, oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, oui. Vous êtes monsieur quoi? Diallo. Comment ça va, monsieur Diallo? Ça va, oui. Ah, Dieu merci. Ouais. Vous êtes déjà en direct, hein? Ok, d'accord. Bon, là, moi, j'ai toujours fait une petite analyse pour participer par rapport à la situation politique actuelle de chez nous. Bon, d'abord, la plupart des gens qui disent, nous, on va le développement, bon, ça n'engage que le « nous », mais il faut dire, à titre personnel, moi, je pense que c'est « ni », quand on est en direct. Oui, c'est vrai. Bon, ce qui concerne actuellement la situation politique guinéenne, c'est quelque chose qui est, à la base, c'est quelque chose, il y en a des ennemis, que beaucoup de gens
peut-être qu'ils n'ont pas analysé cette situation. Moi, j'ai analysé comme ça. Ceux qui préparent, ceux qui entourent Alpha Condé, ce sont des ennemis, la plupart des ennemis de Sélou, qui sont lités pendant que Sélou était nommé Premier ministre. Ça, je me rappelle. Donc, et c'est les mêmes personnes aussi qui avaient lutté contre Alpha Condé la plupart des ans. Ce sont des gens-là qui sont participés pour son emprisonnement. Moi, je pense il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Moi, comme ça, j'ai compris des choses. Que c'est des gens qu'on doit lutter vraiment, qu'on arrive à avoir la liberté. Parce que là, nous, on est vraiment, on ne sait pas, je ne sais pas si les gens ont compris les dégâts qu'ils sont en train de mener. C'est qu'ils sont en train de lutter pour Alpha même. Ils sont en train de lutter contre lui sans que lui-même il rencontre. Oui, je ne l'aime pas. Je ne supporte pas du tout. Je n'ai jamais adhéré dans son parti, mais je connais pas mal de choses qui s'est passé politiquement, par exemple à Cancan. Moi, j'ai connu des gens là-bas, des familles de mes mères, mes pères, qui ne se parlent pas à cause des RPG. Moi, j'ai connu des anciens RPG actuellement qui sont devenus poubelles. Moi, j'ai connu des gens qui ont perdu des millions à cause de lui. Actuellement, ils sont poubelles, ils n'ont rien profité. Il y a des nouveaux qui sont venus toujours après. Oui. Les nouveaux profitent beaucoup. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est que actuellement, ceux qui sont à côté de lui, où tout le monde les connaît, c'est des gens qui n'aiment pas ces loups, qui n'aiment pas Alpha Condé. Ils ont essayé de passer tous les moyens pour faire la manipulation, pour s'approcher à Alpha Condé, pour lutter contre ces loups, en même temps pour profiter, pour remplir leur poche, et puis voilà, pour détruire, continuer à détruire la Guinée. C'est tout un système qui est là, que tout le monde doit comprendre ça. Moi, pour moi, selon ce que moi j'ai compris, que ce n'est pas une affaire l'ethnie, mais c'est des petites minoritaires qui sont en train de faire opposer les uns aux autres pour continuer à massacrer, à tuer le peuple. La plupart des gens qui sont tués, c'est le peuple, parce que le leader de IFDZ, c'est peuple. Soi-disant, IFDZ est égal à peuple, c'est contraire par rapport à l'incompréhension. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé les choses. C'est qu'on doit avoir une réveil de conscience pour être solidaire et uni pour lutter contre cette petite groupe là. Ils sont pas nombreux, hein, mais vraiment ils sont bien soudés, ils sont très connus. Quand tu vois ce que par exemple Kridi Bangoura, ce qu'il a fait par rapport aux cassettes, l'image, le son vidéo audio qui était sorti entre, comment on appelle, soi-disant l'ancien président de transition, les manipulations qu'ils ont fait là, vous voyez, c'est quand ils voient tout ça, vraiment c'est honteux. La Guinée ne mérite pas ça, le pays devrait bouger. Parce que moi je suis étonné, Alpha Condé quand même, moi je l'aime pas, mais par rapport à les 40 ans d'élite qu'il a fait, il n'arrive pas à faire quelque chose de wrong. Ça doit, lui-même il doit se poser la question par rapport à son échec en fait. Donc je sais pas s'il avait lui-même appris conscience, il avait eu pris de conscience de ça par rapport aux gens qui les entourent, et c'est les mêmes personnes qui avaient contrôlé avant-hier. Oui, c'est tout ce que moi j'avais compris, c'est le point de vue que moi je peux donner par rapport à ça, que les gens soient unis. Mais ils disent que la paix, tous les gens qui parlent de la paix, moi je suis pour la paix, mais on ne pourra jamais avoir la paix sans la justice. Les gens pleurent et puis on parle de la paix. La paix ne vient pas, la paix c'est pas un mot, c'est un acte. Donc, c'est la justice qui donne la paix. Il faut avoir une justice indépendante pour avoir la paix, et puis si c'est ceux qui tuent et qui ont tué les gens, qui soient condamnés, que tout le monde sache que ouais, c'est ça, et les gens. Comme ça, tout le monde va avoir la paix, c'est tout. Hein. La paix, c'est un acte, c'est pas. C'est pas dans la bouche. La paix, la justice, l'égalité, c'est vraiment primordial. Non, à partir du moment où il y a la justice, madame, la justice est là, la justice est indépendante. L'égalité va venir, parce que si on arrive à essayer de bafouer mon droit, si je sais que je viens à la justice est là, il n'est pas là pour moi, il est là pour la vérité. Donc l'égalité, obligatoirement, ça va être correct, parce que chacun va avoir peur de la loi, va avoir peur de la justice, c'est tout. C'est comme ça, j'ai compris. Donc à partir du moment qu'on n'arrive pas à fonctionner comme ça, on va toujours continuer à tourner au rond. Moi, je pense que c'est en Guinée actuellement, c'est l'Ansana Conté qui gouverne. Les seules choses qui manquent, c'est l'Ansana Conté même en personne. C'est tout. Hein. Voilà. C'est tout. D'accord.
Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Toujours ceux qui manquent le pouvoir dire que le président, là, ça n'a compté, là, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Sinon, tout le reste, c'est moi, je ne vois pas, y a pas eu de changement. Mais Alpha Condé, même, je pense, Monsieur Alpha Condé, je le respecte en tant que. Il peut être mon grand-père, peut-être. Donc, Monsieur Alpha Condé, moi, je pense que lui-même, il n'a pas compris l'ampleur, il n'a pas bien réfléchi ce qui les entoure. Parce que moi, par rapport aux anciens, les gens qui disaient RPC, ils sont où aujourd'hui? Il y a des gens qui ont perdu des millions, il y a des gens qui ont été emprisonnés. Par exemple, aussi, vous voyez les Madik, son père, ce qu'il a dit aujourd'hui. Vous imaginez tout ça, et il y a des millions de personnes comme ça. Hein, Oui, il y a beaucoup de monde comme voilà. ça, beaucoup, les anciens Voilà. là. Bon, moi j'ai connu pas mal de gens à Cancan que je connais, et puis de l'entourage de Cancan, je connaissais une dame à Abidjan qui s'appelait Diaka Camara, et lui il a perdu des fortunes à Abidjan à cause de lui. Lui il appelait Alpha Condé Corrompt parce que lui, il disait Alpha Condé venait des barreaux, et les dames là aussi, ils venaient des barreaux. Moi j'ai jamais entendu des noms de cette femme depuis Alpha a monté au pouvoir. Donc je ne l'ai jamais vu même. Il y a pas mal de personnes, Oui, mais moi il y a beaucoup de personnes je dans les cette tiens situation. pas. C'est mon analyse, c'est mon analyse. C'est quelqu'un, ça, il ne pouvait pas faire grand-chose, bien sûr, mais il ne connaît pas. Mais néanmoins, la démocratie, la justice, le droit par rapport aux 40 ans de lutte qu'il a fait pendant combien d'années en Occident, il n'était pas aveugle ici hein, quand il était Occident. Même s'il ne travaillait pas, il ne faisait rien, mais il n'est pas aveugle. Moi qui vous parle là, vous me donnez la guidée aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Même si je n'ai pas de diplôme. Être président de la République, ça ne demande pas de diplôme pour travailler. C'est une question de volonté. Hein. Ça n'a Oui, rien à voir. c'est la volonté. Voilà, ça, c'est pas dire qu'il est étudié à Sorbonne ou quoi, dit ça, il a étudié à. Non, non, non. Travail, c'est une question de volonté. Si tu veux travailler, tu vas travailler. C'est tout. Tu vas Tout à travailler. fait. Parce que si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas de grand diplôme, tu peux. Appeler les gens qui sont Ils des sont experts, qui connaissent diplômés, des choses, oui. comment ça fonctionne, et toi-même tu es présent. Voilà, un jour comme ça, tu te déplaces. Bon, demain matin, je prends ma décision en tant que président de la République, je viens au ministère des travaux publics pour voir comment est-ce que les gens viennent à l'heure, comment ils travaillent. C'est une question de volonté, c'est pas des miracles. Hein. Le travail, c'est pas des miracles. Hein. Oui. Mais c'est de faire des vies, des millions, augmenter des chiffres. Soi-disant, les projets là, l'argent, on ne voit pas de projet qui a été réalisé. Bon, l'argent est décaissé. Ça, c'est un système qui est là-bas longtemps. Ça, c'est des temps de compter. C'est comme ça fonctionnait. Donc, il faut que nous réveillons-nous. Sinon, ils vont continuer à nous diviser et piller l'économie. La pauvreté vont continuer. Les gens vont continuer en mer, dans la Méditerranée, en Libye et partout. Comme ça, les gens vont fuir gauche à droite. Les jeunesses vont, le pays va s'appauvrir, non seulement humainement, et puis voilà, toujours les gens vont rester dans la pauvreté extrême. En fait, je ne Extrême. sais pas comment je vais dire ça. Fadika, je Excusez-moi t'ai de vous envoyé le parler comme numéro, ça. hein. Excusez-moi. Pardon? Excusez-moi. ML Fadika, là, j'ai envoyé le numéro. WhatsApp. Ok, Donc, monsieur. comme il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne, qui veulent parler, si c'est pas seul, donc je vous libère la ligne. Je vous remercie D'accord. Merci à vous. de m'avoir rappelé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au Oui. revoir, bonne Au soirée ou revoir. bonne nuit. Merci. Monsieur ML Fadigala, j'ai écrit le numéro là-bas. Je ne sais pas où tu es. Si tu es en France, il faut appeler directement. Ce n'est pas la peine de faire WhatsApp si tu es en France. Tu fais le 06 27 85 89 96. Après, si tu n'es pas en France, tu fais le 00 33 6 27 85 89 96. Mais j'ai écrit ML Fadiga. J'ai mis le numéro, j'ai répondu quoi. J'ai déjà écrit là. Donc vous voyez, lui aussi, il a sa façon de voir les choses. C'est ce qui est important et intéressant. Chacun de nous voit différemment les choses. Vous voyez? Donc les gens regardent régulièrement, ils ont envie d'intervenir, de dire quelque chose, de donner leurs idées. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait cela aujourd'hui, pour que certaines personnes donnent leurs idées. Et vous voyez, chacun a son idée sur la situation, comme ce que la maman là vous a dit. Donc, les gens qui partagent les vidéos ou qui font des montages, essayez de faire ce montage. Je vous ai dit, l'affaire de Dieu là, c'est ce qu'on a oublié.
C'est ce qu'on a oublié. Les gens qui disent non, il ne faut pas mettre l'islam dans la religion, il ne faut pas mettre l'islam dans la politique. Mais ça, c'est quoi ça? Il y a un Coran qui est descendu. Maintenant, vous vivez en fonction de cela. Mais comment toi, tu peux gérer un pays sans ça, sans un peu de ça? Sans, même un peu, même deux, trois lois. Après, on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, ça choque les gens de voir une musulmane, déjà une femme, après qu'elle soit voilée, qu'elle cumule les deux. Ça choque énormément de personnes, mais il faut qu'ils prennent cette habitude de voir ça, d'encourager les gens. Il faut prendre cette habitude. Si c'est une femme qui doit vous sauver, comment vous allez faire? Vous dites non, tout sauf une femme. Donc vous allez mourir comme vous êtes. Ah, voilà, ça c'est un autre problème. Donc, les gens, je vous le dis souvent, celles qui ont les sœurs qui sont voilées, qui ont des idées, c'est-à-dire chacun est né avec une connaissance. On a toujours quelque chose à apporter à la société. Regarde aujourd'hui, il y a des gens qui ont intervenu, ils ont dit des choses que vous ne savez pas, que moi aussi peut-être je ne sais pas, qui peut nous faire réfléchir par rapport à toutes ces choses, à toutes ces choses qui se passent. Donc c'est ça, c'est ce qui fait un monde, la diversité des idées, des comportements, de toutes ces choses, de la connaissance. Chacun a une connaissance. Il ne faut pas te dire que non, moi je ne peux rien apporter à la société. Ou non, non, quand je vais dire ça, on va se moquer de moi. Non, il ne faut pas dire cela. Moi, par exemple, cumuler la religion à la politique, les gens ont du mal à comprendre, mais moi, pour moi, je suis sûre de ça. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, alaikum salam. Ouais, c'est moi, c'est ML Fadiga. Ah, Fadiga. Non, c'est vrai, non, ça me va. On a dit. Ah, mon ami, comment tu as dit? Ah, mon Dieu. Ouais. Ah, vraiment, ma soeur, je te jure que je vais te dire les deux, la religion et la politique, c'est des choses qui sont similaires. Mais il y a une différence. Voilà, ils sont similaires, mais il y a une différence entre les deux. La seule différence, c'est quoi? Ils sont similaires parce que la religion et la politique, ils ont pour le... Envoyer les cœurs. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Ok, le même but. C'est-à-dire, c'est le bien-être du peuple. La religion est venue. La religion, c'est le bien-être de l'humanité. Et la politique, c'est le bien-être de chaque peuple. Voilà. Et maintenant, les gens, c'est que parce que moi je dirais que c'est de l'ignorance. Oui, c'est ça. Religion, c'est ça. Voilà, ils savent pas c'est quoi la religion profondément. Et la politique aussi, ils mélangent tout. Parce que les gens pensent que la politique, c'est de mentir ou c'est de dire qu'est-ce qu'il a fait à Médine, quand il est venu à Médine. Voilà, il a trouvé des gens là-bas qui n'étaient pas des musulmans. Mais il a joué une politique, une bonne politique. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, moi je peux dire que c'est la sanction divine contre... Voilà. On a dit bon, il y a 4 versets dans le Coran qui on a fallu. Mais il va comprendre. C'est qu'il y a peut-être une différence. Et il y a un peu de temps. On a fait le bonheur. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps
Kayala be fa fe ba ku bara sentane fe sa ku. Ba ri nu ala mara wono sentane nara. Wono sentane nara. Eh, c'est ça. Ala na Quran ku pa sentane do wono da gine ka tana moto. Kon so nu Quran to bonna ga kharan. Nu analyse ba nu analyse ba nara ba na ka gine. Depuis on dans la indépendance tongo c'est dur na wunira. Mais pourquoi? Omo mala ndo buruma parce que dunia group nara. Mhm. Berira. Parce que la population, mentalité,
Voilà. Et politique,
Humanité, erreur, nanabare, et politique, et ouranaba, politique, oui, complètement. C'est une erreur, belle, nara. Nana doran, nan mayou. Ma, moi, n'a comprends, fille. Non, mais, qui moula la fait, l'ouma, moi, c'est fait. Non, non, maintenant, comment je n'en ai pas la répète, nan, la politique nous dit, différence qu'on a dit. Et bien, nous avons dit, 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 c'est que ala c'est les dîners de loi à la gueule d'un mec d'un moment seulement c'est que il attend à son tien à tout le monde qui est au anal n'a rien au réma et tout le monde m'a saradi ah et moi m'a saradi voilà rien au réma pour dire dans le wantana wantana définiment wantana wantima à la n'a qu'un n'est ma sara voilà et là d'eau exemple de quoi exemple que prophète nous a fait enlever ma car à la terre qui est là bas à tindé. Et nous, c'est un c'est un Muhammad nu sende Muhammad ina ala sende ina bismillah rahman rahim ala sende bismillah rahman rahim ta maka kena ina no ina mutam bismillah kul ina mutam bismillah kul ina mutam bismillah allahumma mona no kul era do ayo ala gara na ala ka sidi ana da na hoke wase de pa ta akulu bismillah allahumma anu bismillah rahman trust ya dare kena da rabato ana ga na ka pa ni da na inyoro sana ku maka kina inyoro ana ana wala na person ya sabade so ina mai na moyi na raiki ina pro kana ina Muhammad da ta ina Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah yana Quraysh Quraysh nu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ngai da ita ma makka kenan ah no eh ma sabbe ma Muhammad Rasulullah api kha sabbe ne Muhammad bin Abdullah fa sai tanana ko ya ka ko Muhammad Rasulullah na ran kai ran ran ne ma gire manu eh ma gire manu Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.